Mesdames, messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres. 15 tués sur les routes calédoniennes au 28 février, c'est deux fois plus qu'à la même date l'année dernière. Dans ces accidents, si certains ne survivent pas, d'autres doivent vivre avec de lourdes conséquences. Vous entendrez dans quelques instants des témoignages de victimes. Puis avec Julien Payère, directeur du cabinet du haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, nous échangerons sur la sécurité routière. Vers une amélioration des conditions de détention pour les prisonniers du camp Est, les travaux vont débuter cette année pour une durée de 4 ans. Pour l'Observatoire international des prisons, ces grands chantiers de rénovation ne suffisent pas. Après un an à la tête du FC Nantes, Antoine Camboire emmène son équipe en finale de la Coupe de France sous les yeux de notre sélection Cagou, le coach nantais que vous entendrez en fin de ce journal. On ouvre cette édition avec le point sanitaire du gouvernement en conférence de presse cet après-midi. Si la situation s'améliore, l'épidémie n'est pas pour autant terminée. C'est le message d'alerte lancé par les médecins de la DAS aujourd'hui. Depuis le 1er janvier, 19 décès sont à déplorer. Des personnes majoritairement non vaccinées, touchées soit par le variant Delta, soit par le variant Omicron. On écoute Thierry De Grélan, président de la commission médicale d'établissement du CHT Gaston Bourré. Le nombre de cas baisse, mais on a toujours des gens qui sont admis pour Covid aux urgences, qui sont admis dans les services. On a des morts au Omicron, beaucoup moins qu'avec le Delta, beaucoup moins d'hospitalisations qu'avec le Delta, mais on en a quand même. Nous, les patients qu'on voit qui sont le plus en danger, et c'est à ceux-là qu'il faut, c'est leur famille qu'il faut prévenir, hein, c'est un peu le message aujourd'hui, c'est les patients les plus âgés. Qui ont des comorbidités comme le diabète, des maladies vasculaires, des maladies pulmonaires, l'obésité, hein, ça reste un facteur majeur de gravité, et non vaccinés. Voilà, c'est vraiment ces patients-là qui sont le plus en danger, et le meilleur moyen, comme on ne peut pas changer les comorbidités facilement, même si on aimerait que les gens maigrissent, qu'on aimerait qu'ils soient bien soignés, c'est quand même le vaccin. Pour éviter que ces malades fassent des formes graves. Autre sujet évoqué cet après-midi, la leptospirose. Déjà 70 cas ont été détectés depuis le début de l'année. La maladie peut être mortelle et plus de la moitié des cas ont été signalés en province nord. Écoutons Anne Fonciel, médecin de la DAS. Cette année, vu la météo, vu le chiffre déjà ces deux premiers mois de 70 cas, on est bien parti pour battre peut-être le record de l'année dernière. Pour rappel, les signes cliniques, c'est l'apparition de fièvre brutale, des douleurs musculaires, articulaires, des maux de tête, une grande fatigue. Il faut penser que c'est peut-être le Covid qui peut avoir, ou ça peut être effectivement la leptospirose ou d'autres maladies. Donc il faut être vigilant et consulter en cas de doute voir le médecin. Et c'est important de le faire rapidement puisque la leptospirose, c'est dû à une bactérie et ça peut être soigné rapidement par des antibiotiques et il ne faut pas attendre pour avoir le traitement puisqu'après on risque des hospitalisations, de la réanimation, voire un décès. Donc il faut vraiment agir rapidement. Nous poursuivons avec ce triste chiffre concernant les accidents mortels. 15, c'est le nombre de personnes décédées depuis le début de l'année sur les routes calédoniennes. La sécurité routière, on en parle ce soir dans l'œil de la rédaction. Je vous le disais en titre, 15 tués au 28 février, c'est deux fois plus qu'à la même date l'an dernier. Un chiffre inquiétant car 2021 a été une année meurtrière où 50 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route. Si certains ne survivent pas, d'autres doivent vivre avec de lourdes conséquences. Nous avons recueilli aujourd'hui des témoignages poignants de victimes et de proches. Des images de Audrey Pouédier et Cédric Thia sur un montage de Ismaël Ouakassiou. Venceslas s'est fait couper la route le 7 décembre 2009 en plein centre-ville de Nouméa. Motard face à une voiture, il a été grièvement blessé. Pendant ces diverses opérations, les médecins lui redonnent peu d'espoir face à la reprise d'une vie normale. Le double champion du monde de France en boxe française ressort perdu de l'hôpital. Diminuer comme ça, de passer de sportif de haut niveau à plus prévoir rien faire. Je faisais 50 mètres, il fallait une demi-heure pour récupérer. Je montais 3 marches et il fallait que je m'arrête pour souffler. Pas pouvoir me lever pour aller au sel tout seul, pas d'énergie, pas de force, peur de tomber. Pendant un petit moment, c'était très dur psychologiquement. Avec la précieuse aide de sa compagne, c'est alors qu'il prend contact avec l'association Antinia qui va l'aider au quotidien.
Son mental de sportif va également le soutenir. 6 ans plus tard, il veut pouvoir aider à son tour en sensibilisant les jeunes à la sécurité routière. Leur donner un petit coup de main du coup, dans leurs actions qu'ils faisaient du coup, auprès des jeunes, que ce soit les collégiens, les lycéens, pour permis booster ou pour permis voiturette ou permis voiture, après, pour les un peu plus vieux. Sensibiliser du fait de mon accident, parler en tant que témoin, du coup de témoignage de mon accident, et pour prévenir aussi des gestes à faire, des gestes à pas faire, l'alcool au volant, la drogue au volant, la ceinture, il y a plein de choses comme ça qui sont abordées auprès des jeunes, pas assez encore je pense, mais voilà, du coup on essayait de les sensibiliser comme on pouvait, et puis moi du coup en tant que victime, ça marquait un peu plus les jeunes. Mais hélas, le week-end est un défouloir total. Mais hélas, le week-end. Après la mort de son petit frère en 2009 dans un accident de la route, touché par cette disparition, Will, auteur-compositeur de la tribu de Niawa Wailu, a composé cette chanson avec comme titre Yes Weekend, où à l'intérieur, il raconte divers accidents qui s'est passé la même année. Pour Will, la musique est un moyen de prévention, de sensibilisation auprès de la population. J'avais déjà joué avec les enfants pour la prévention routière quand j'étais à Pueblo et quand j'étais au collège aussi et l'école primaire de Ouani, on a joué déjà ce morceau pour la prévention routière. C'est-à-dire, des fois, il y a les gendarmes qui viennent de faire la prévention routière. Tiens. Du coup, on a chanté cette chanson là aussi. Et puis dans mes concerts, dans mes lives, tout ça, ben, je le joue tout le temps, je joue ce morceau. Une fois dans la soirée, je lui dis, ben voilà, maintenant on va être un peu de lucidité dans nos vies aussi, de passer des vrais messages. Que voilà, quoi, les gens ils partent avec un vrai message quand ils retournent chez eux, qu'il n'y ait pas d'accident quoi, sur la route. En fait, c'est ça. Parce qu'ensuite, éjecté et blessé, tout ça sans respecter. Votre vie est celle d'autrui. C'est pas la faute de la vitesse ou de l'alcool. Moi je dis c'est la faute de notre propre conscience. C'est nous qui décidons de boire et puis conduire. C'est nous qui décidons nous-mêmes de rouler vite. C'est nous qui décidons de couper un virage et puis de provoquer un choc frontal. C'est nous quoi. Le non-port de la ceinture, l'alcool et les stupéfiants ainsi que la vitesse excessive sont toujours les principaux facteurs en cause. Julien Payer, directeur du cabinet du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, bonsoir. Bonsoir. Alors une réaction suite à ces témoignages? Alors une réaction, d'abord je partage la douleur des victimes, hein, qu'elles soient directement touchées ou qu'elles le soient puisque c'est une personne de leur entourage qu'elles ont perdue. Le reportage est très intéressant puisqu'il nous montre déjà que les victimes en général sont jeunes en Nouvelle-Calédonie. C'est un fait qui la distingue d'autres territoires. La mortalité est très élevée, mais ça touche des personnes jeunes. Et comme l'a dit le deuxième intervenant, ce sont des fautes de comportement, les accidents de la route. Dans 90% des cas, il peut y arriver parfois qu'il y ait un coup de malchance, entre guillemets. Mais ce sont d'abord des comportements à risque, la vitesse, l'alcool et le non-port de la ceinture. Hein, 3/4 des accidents mortels donnent lieu à un constat de non-port de la ceinture, parfois d'enfants. On est d'abord sur un sujet de responsabilité individuelle et collective. Donc ensuite, on peut mener une réflexion, une stratégie, j'y reviendrai si vous le souhaitez. Mais justement, d'abord, prendre conscience, effectivement, qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de mort inévitable sur la route. Il faut en prendre conscience et agir en conséquence. Justement, l'État a annoncé un renforcement des contrôles. Est-ce que cela se traduit par la mise en place d'une nouvelle stratégie, justement, face à la délinquance routière? Alors effectivement, mais il faut resituer bien le sujet de la sécurité, de la prévention routière. Il est partagé avec la Nouvelle-Calédonie, hein, qui en a même d'ailleurs le pilotage. Nous intervenons sur un segment qui est plutôt celui de la répression, celui des contrôles, mais fondamentalement c'est pas un segment suffisant. Il y a tout un arsenal ou en tout cas un dispositif qu'on peut déployer. Donc les contrôles, on les multiplie, on achète aussi des nouveaux équipements, il y en a certains qui sont mis à disposition par le territoire, mais il y a aussi tout un volet d'éducation à la conduite. Dans le reportage il était évoqué les interventions en milieu scolaire, c'est quelque chose d'assez important. Il y a tout un volet de communication aussi, il faut communiquer régulièrement là-dessus. Nous avons pris contact avec la délégation de la sécurité routière en métropole qui mettra à disposition gratuitement ces campagnes de communication ciblées, hein, puisque les problèmes en Calédonie ne sont pas forcément les... Est-ce que cela veut dire voilà, que toutes ces interventions vont se multiplier cette année?
Alors, elles vont se multiplier sur le sujet des contrôles, ça bien entendu, puisque c'est une des priorités fixées. Par ailleurs, nous sommes tombés d'accord avec le gouvernement pour nous rencontrer très bientôt et pour définir une stratégie assez globale, avec un cadrage, un certain nombre d'acteurs associés, puisqu'il existe historiquement un Conseil permanent de la sécurité routière qu'il s'agit de ressusciter, peut-être dans un format un peu plus ramassé, avec un plan d'action un peu plus resserré aussi. Il y en a eu un en 2019 qui visait 64 actions. Là, il faut vraiment se mettre d'accord sur ce contre quoi on veut lutter, déterminer les actions et ensuite les mettre en œuvre. Les contrôles, c'est une partie de la réponse, mais ce n'est pas le seul élément efficace pour mener une prévention pertinente sur les sujets de sécurité routière. Alors revenons aux moyens. En 2018, les automobilistes calédoniens ont dû changer leur plaque d'immatriculation pour justement permettre l'installation des radars automatiques. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors je vous le disais tout à l'heure, les radars, il y en a un certain nombre qui sont à disposition des forces de l'ordre. Le gouvernement va probablement, mais je laisserai communiquer le moment venu, peut-être réinvestir un peu le sujet financièrement. Il y a un sujet aussi, les radars, il y a un sujet de maintenance, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient très régulièrement entretenus. Il y a une question de surface financière. On n'a pas forcément une entreprise qui soit en mesure de le faire en Nouvelle-Calédonie. Donc il faut retravailler tous ces circuits pour que justement les radars, il y en ait un nombre suffisant dans des endroits stratégiques, hein, des endroits où il y a des accidents. On ne fait pas de prévention routière ou de sécurité routière pour faire la poche des Calédoniens ou des gens. On va dans les endroits où c'est qu'il y a des accidents. On est prêt à communiquer aussi sur les contrôles, dire l'endroit où on le fait, ne serait-ce que parce que ça a un effet dissuasif sur les conducteurs. Donc les contrôles, je vous l'ai dit, mais après il y a aussi un certain nombre d'initiatives. Il y a l'état du véhicule, il y a le conducteur, enfin il y a différents facteurs qui doivent entrer dans l'analyse pour imaginer un plan d'action efficace. Pour parler du Conseil permanent pour la sécurité routière que vous venez d'évoquer, il a été récemment reconvoqué et la sécurité routière est pourtant un problème qui n'est pas récent. Est-ce que ces accidents de ces dernières semaines, de ces derniers mois, ont suscité une prise de conscience au commissariat ? Alors nous, c'est un sujet qui nous préoccupe en permanence. Hein. Les chiffres ne sont pas bons en début d'année, ils n'étaient déjà pas l'année dernière. Il y a un vrai problème de mortalité aussi. Hein. Il y a des accidents qui sont en diminution, mais le nombre de morts augmente. Donc ça prouve qu'il y a des comportements irresponsables de façon répétée. On ne peut pas rester les bras ballants face à une telle situation. Donc nous n'avons jamais perdu le sujet de vue, mais il est temps vraiment, puisqu'il y a un certain nombre de sujets qui sont derrière nous, les sujets institutionnels en tout cas. Tout ce qui a été la préparation du référendum a demandé beaucoup d'attention. Sur le volet contrôle, nous allons remettre un effort visible et soutenu. Après, sur le sujet et le reste de toute la politique de prévention, d'éducation et aussi de sécurité routière, nous comptons nous associer avec le gouvernement pour avancer sur ces sujets. Alors, les accidents mortels touchent principalement, on l'a dit, les 18-24 ans et les 25-35 ans. Alors, c'est un public pour beaucoup qui n'a pas forcément les moyens de payer des cours de conduite. Est-ce que l'accessibilité au permis de conduire va être prise vraiment en considération ? Alors effectivement, c'est un sujet qui nous préoccupe, mais là aussi, on a une question de compétence. L'accessibilité au permis, c'est plutôt un sujet qui intéresse le territoire. L'État, en Calédonie, fait passer des permis de conduire. C'est le cas au SMA, donc il y a un certain nombre de jeunes qui accèdent au permis de conduire par ce canal-là. C'est un permis par construction qui est gratuit, hein, puisque le jeune qui s'engage va en avoir besoin soit dans sa vie quotidienne, soit plus tard peut-être pour des activités spécialisées. Donc effectivement, on constate, il y a un chiffre, à peu près 30% des accidents mortels où le conducteur n'avait pas le permis. Donc laisser des gens sur la route sans éducation routière, ce n'est pas concevable. Là, le sujet de l'accessibilité, il est à la main du territoire. Mais nous, de la façon dont nous pouvons, hein, par ce dispositif-là, essayons de faire augmenter ce taux, puisque quelqu'un qui est instruit et éduqué, c'est quelqu'un qui est nécessairement plus prudent. Alors la sécurité routière dépend des conducteurs, mais aussi de l'état des routes. Alors la météo de ces dernières semaines n'arrange pas, hein, l'état de nos routes. Est-ce que l'État compte davantage soutenir les provinces et les communes pour l'entretien, par exemple ? Alors là aussi, on est sur un sujet de répartition des compétences. Sur le sujet des intempéries, en fait, l'État peut venir au soutien du territoire sur un certain nombre d'épisodes pluvieux. Je pense récemment, alors c'est des dossiers qui sont assez longs à instruire. Hein. Typiquement, nous avons versé 250 000 euros, donc 30 millions de francs, aux communes et à certains particuliers dans le cadre de la tempête Luca qui est intervenue l'an dernier. Il ne vous aura pas échappé, il a échappé à personne que les épisodes pluvieux sont répétés de façon de plus en plus rapprochée. Donc nous allons échanger avec le gouvernement, avec le ministère des Outre-mer sur des éventuelles possibilités supplémentaires. Mais à ce stade, il y a un mécanisme qui est prévu, qui fait suite à des événements météorologiques précis. On s'efforce de l'activer dès qu'on le peut. Mais effectivement, il y a une réflexion peut-être un peu plus transverse à mener.
Julien Payer, directeur du cabinet du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Alors, c'est un chantier qui va durer 4 ans pour améliorer les conditions de détention des prisonniers du camp Est. Celui-ci s'inscrit dans un plan global de restructuration de l'établissement pénitentiaire. Ces travaux surviennent alors que le camp Est a été épinglé à plusieurs reprises par le contrôleur général des lieux de privation de liberté ainsi que plusieurs associations. Pour l'Observatoire international des prisons, la réinsertion des détenus doit aussi être une priorité. Un reportage signale Michel Pimbé. Le chantier de rénovation et de restructuration s'inscrit dans un plan général de rénovation du centre pénitentiaire mis en place par le ministère de la Justice. Des travaux difficiles à mettre en place compte tenu de la surpopulation carcérale. Les cellules, elles vont se refaire non pas en une année, elles vont se refaire sur une tranche de 4 ans environ. Et on va faire une ou deux cellules par deux cellules. Parce que de toute façon, là, il faudra les vider. Et ce n'est pas simplement une rénovation. On va essayer de faire en sorte de configurer la cellule à une fonction moderne de la détention. Des travaux qui ne suffisent pas à résoudre le problème de fond pour l'Observatoire international des prisons, organisme qui suit le dossier du camp Est depuis 11 ans. En Nouvelle-Calédonie, plus globalement en France, parce qu'en fait on fait partie d'une politique pénale qui vient du ministère de la Justice, l'idée c'est d'investir surtout auprès de la réinsertion, d'avoir plus de psychologues, d'avoir des addictologues, d'avoir un vrai accompagnement pour des personnes qui en ont besoin, puisque la délinquance c'est c'est le résultant de certains manques, d'un certain manque de cadre. Et donc, c'est des personnes qui sont en crise. Et il faut prendre ça en compte, en fin de compte, dans les choix. Dans le courant de l'année, c'est une enveloppe de plusieurs centaines de millions qui seront débloquées pour améliorer les conditions d'accueil des détenus. En ce qui concerne le tout nouveau centre pénitentiaire de Koné, celui-ci doit ouvrir ses portes au dernier trimestre de cette année. Une partie des détenus de Nouville, originaires de la province Nord et en fin de peine, pourra y être transférée. Faisons maintenant le point sur la situation en Australie. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays ont fait au moins 12 morts, de lourds dégâts matériels et forcé de dizaines de milliers de personnes à évacuer leurs maisons. Les prochaines heures vont être difficiles pour la Nouvelle-Galles du Sud qui se prépare à être frappée. Le récit de Vanessa Kédé. Depuis hier, les services d'urgence ont appelé des milliers de résidents du sud-ouest de la ville à se préparer à évacuer. Plusieurs villes du nord de la Nouvelle-Galles du Sud sont déjà sous les eaux. Les autorités ont déclaré que les inondations le long de la rivière Nepean à Penrith pourraient dépasser les inondations de l'an dernier. Le premier ministre de l'État, Dominique Perrottet, qui a survolé les villes inondées, a déclaré que 17 zones du gouvernement local avaient été déclarées zones sinistrées dans une situation sans précédent et a appelé les habitants de Sydney à évacuer s'ils en reçoivent l'ordre des équipes d'urgence. 150 à 200 mm de précipitations sont attendues selon les services météorologiques. Sydney va devoir se préparer à voir l'équivalent de plusieurs mois de pluie s'abattre en quelques heures. Je vous le disais en titre, le FC Nantes s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France après un match nul, 2-2 et la séance de tir au but. Les Nantais, coachés par le Cougnier Antoine Camboiré, accèdent à la finale de la Coupe de France. Cela faisait 22 ans que les Nantais n'étaient pas arrivés à ce stade de la compétition. Les supporters ont explosé à la fin du match en envahissant le stade sous les yeux de la sélection de football, les cagous et du staff invité privilégié d'Antoine Camboiré. Le Calédonien, entraîneur du club nantais depuis un peu plus d'un an, a réussi à amener ses hommes au sommet, mais il est avant tout fier de ses joueurs. On l'écoute. J'étais surpris de voir l'envahissement là, et parce que voilà, ce n'est qu'une demi-finale, c'est énorme, c'est une demi-finale, mais on n'a rien gagné. Donc c'est vrai que j'étais surpris, mais agréablement surpris. Mais c'est des choses exceptionnelles. Ce qu'on est en train de vivre là, ouais, c'est que du bonheur. Ouais, c'est vraiment. Ouais, je leur ai dit, c'est des grands malades. Heureusement que j'ai le cœur bien accroché, hein, parce que sinon on peut clamser. Ouais, mais c'est vrai que ce qu'ils font, c'est. Moi je suis fier surtout d'être leur entraîneur. Je leur ai dit, moi c'est un privilège d'être l'entraîneur de cette équipe. Vraiment. Ouais. Aujourd'hui, je vous parle et on est en finale de Coupe de France, mon petit. Une finale de Coupe de France qui aura lieu le 9 mai à 5h45 pour nous au Stade de France face à Nice. Une chose est sûre, nous serons nombreux derrière le Cougnier.
Et avant de refermer cette édition, le pistard calédonien Hugo Pommelet est retenu pour un stage en équipe de France du 8 au 11 mars à Bourges. Le pensionnaire du Pôle France ultramarin, ancien champion de Calédonie, devra prouver durant ces 4 jours qu'il a un rôle à jouer au sein de cette équipe de France, avec en point de mire les championnats du monde en France en octobre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée sur Calédonia.